reviens tout de suite. Et ne redescends pas sur la voie. C'est dangereux, mon garçon. La vie peut lui faire peine. Le voilà. Voilà le train. Vive le nouveau juge. Hurra. Vive monsieur Skins. Vive le juge. On dirait qu'il est vide. Plus 100. D'accord. Plus 300. Je suis. D'accord. Carte. Servi. Deux. Une pour moi. Je suis. Plus ça. De plus. J'aime pas qu'on doute de moi. Dites-toi bien, étranger, que ma pipe, c'est de l'or. J'aimerais voir sa couleur. Il a raison, il nous connecte d'aujourd'hui. Comment saurait-il qu'on est l'honnêteté même? Je réponds pour René. En dollars ou en cendres de cigares?
Bon, j'ai peut-être pas parlé assez fort. Je répète que je réponds pour lui. Oui. Charmant endroit. Je pense que j'y reviendrai bientôt. Et un moment. Tu réponds pour moi aussi, Lou? Alors, $500 de mieux pour moi, messieurs. Il faudrait peut-être que quelqu'un réponde pour lui, n'est-ce pas, Lou? Bien. Dans ces conditions, je crois que la partie est terminée. À ta place, je ne toucherai pas cet argent. Réfléchis une minute. Je peux te donner certaines garanties, si tu veux. Avec votre permission. Allons-y. C'est fermé, je vous dis. Où je peux trouver un morceau à me mettre sous la dent? Est-ce que je sais? Au diable si ça vous chante. Dis donc, je trouve pas cette réponse tellement drôle. Allez donc rire ailleurs. Bon. Tu réponds pour lui, Lou? Bien sûr que je réponds pour lui. Pour moi aussi? Oui, pourquoi pas. Ils ont tous sauté sur lui. Tu l'avais jamais vu avant? Jamais. Ah, c'est pas souvent qu'on rencontre un type comme ça. Alors, vous le connaissez, hein? Eh oui, je crois. C'est lui que je cherche, justement. Émile Demieux. Ah, c'est toi, vieille noix. Alors, tu t'amuses à faire des réussites, Kat? Oui, on n'a pas besoin de partenaires. T'imagines pas que je vais reprendre la route cette nuit, j'espère. Tu veux que je te dise une chose? Je commence à croire aux fantômes depuis quelque temps.
Alors, tu me cherchais? Exact. Pourquoi? Il y a une semaine, le train de Passo a été attaqué. 100 000 dollars en pièces d'or. Ah, beaucoup. Personne n'en a réchappé. Pas un survivant pour dire qui sont les coupables. Des professionnels. Combien de types, à ton avis, sont capables de réussir un coup de cette importance? Des tas. Écoute, je te dis qu'aucun des voyageurs n'avait été épargné, mais c'est pas vrai. Il y en a un qui a survécu. Et même mieux, il a tenu assez longtemps pour pouvoir me dire comment ça s'était passé. Et qui avait fait le coup? Eh bien, si tu fais des pauses tout le temps, on en a pour la nuit. Bill, notre vieil ami, Bill San Antonio, l'homme à l'imagination fertile. Où veux-tu en arriver? À ce que je viens de te dire. C'est pour ça sans doute que depuis quelque temps, tu crois au revenant, non? Comme tu le sais, il y a 300 000 de voies ferrées entre El Paso et Canyon City. L'or a été chargé à El Paso. D'après les traces relevées sur le sol, il semblerait que le train a été attaqué à peu près à mi-chemin, ici. Mais je dis bien, il semblerait. Je m'explique. En réalité, deux jours avant le départ du train, les bandits sont venus se promener dans la région. Ils ont galopé, piétiné à cœur joie autour de ce point pour y laisser leurs traces. Puis, ils ont filé vers le nord, jusqu'au fleuve. Là, ils ont suivi le fleuve un certain temps, puis ils ont obliqué sur El Paso. Ils ont attendu jusqu'au moment où le train quitte la gare, et après avoir acheté leur billet, ils sont montés comme de simples voyageurs. Ils ont patienté jusqu'à ce que le train arrive à cet endroit, environ à 20 000 de la frontière du Mexique, où se trouve la petite ville de Puntal. Alors ils ont tué tout le monde. Le mécanicien, un juge de paix, le reste des voyageurs, tout le train. C'est là qu'ils ont arrêté le convoi, et qu'ils ont déchargé le coffre contenant les sacs d'or. Après quoi, deux de leurs hommes ont fait repartir le train et ils l'ont quitté avant Canyon City. De là, vers le nord, voilà la région où la police les cherche. Mais il est évident que ni les hommes de Canyon City, ni la cavalerie ne trouveront aucun coupable. Parce que les bandits sont tous réunis bien tranquillement ici, à 250 milles au sud. À mon avis, il n'y a qu'un seul homme assez malin pour organiser et réussir un coup pareil. Et c'est Bill San Antonio. C'est signé, signé en grosses lettres. Et depuis quand les morts se promènent-ils en attaquant des trains? Je ne sais pas comment ça s'est passé entre vous deux il y a un an, Kat. Mais une chose est sûre, Bill est vivant. Et depuis que l'homme qui l'a vu dans le train est mort, nous ne sommes que deux à le savoir. Moi d'abord, et ensuite toi, même si tu ne le crois pas. Et nous deux, nous avons certains avantages sur Bill. Premièrement, il ne sait pas que nous avons découvert qu'il est vivant. Deuxièmement, nous savons où il se cache. Et enfin, tout fier de son plan infaillible, notre ami doit penser qu'il est en sécurité là où il est. Eh bien, dis quelque chose. Pourquoi t'intéresses-tu autant à cette affaire? La banque Harold a souscrit une assurance sur la valeur totale de l'or pour son transport. Je travaille pour cette compagnie d'assurance. Ah, t'as décidément pas changé, Yaïnois. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui s'est passé cette nuit-là, Kat? Va au diable. Ce qui s'est passé cette nuit-là, Kat.
Rose. Je dois dire que tu es un sacré vénard. Regarde la belle fille que tu t'es trouvée. Oh, c'est très bien, ton ami. Pourquoi il a caché sa belle petite gueule si longtemps? Mais parce qu'il n'était pas dans le coin, mon ange. Il vient d'arriver il y a une heure. Oh, c'est pas une façon de traiter une dame. Mais dis donc, chaque chose en son temps. Qu'est-ce qu'il prend le fils par terre comme un sac de patates, hein? Allez, relève-toi, sinon la tête. Fais taire cette cinglée. $100. Plus 100. $500 en tout. D'accord. Je suis curieux de voir si tu gagnes quand c'est moi qui bats les cartes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, rien. Sauf que j'ai jamais vu jusqu'ici un oiseau aussi vénard. C'est pas de la veine. Alors qu'est-ce que c'est? À ce jeu, Bill, tu n'as toujours été qu'un... qu'un amateur. Tu en es sûr? Je t'ai posé une question. Tu poses beaucoup trop de questions. Et la curiosité, ça coûte souvent cher. Mais je suis curieux. Curieux au point que je voudrais savoir si tu ne joues qu'avec 5 cartes comme moi. Oh, la ferme! Je ne veux pas qu'on se moque de mon ami ici présent parce que nous avons été amis depuis que nous avons commencé à nous saouler encore. Pas vrai, pas gueule. On le replay, c'est compris? Sauf moi. Non, tout le monde reste calme. Ah non, mon garçon, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Il fut un temps où ça ne te serait même pas venu à l'idée. Kat, c'est moi qui t'ai mis cet outil dans la main et qui t'ai aussi montré à t'en servir. Hein? Ah, je te jure qu'autrefois, et d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, tu n'aurais pas fait ça, Kat. C'est très facile de parler quand on a une arme à la main. Ne sois pas impatient, tu vas en avoir une aussi. Rassure-toi. Mais il faut faire les choses avec calme. Enfin, entre nous, crois-tu qu'un homme, dans ma situation, peut accepter de se battre avec quelqu'un qui plume tous les pigeons qu'il rencontre avec 5 cartes, sans prévoir les conséquences éventuelles que ça comporte? Franchement, Kat. Alors, si j'en crois ce qu'on m'a dit, il paraît qu'en 5 ans, tu es devenu un tireur dangereux. Le fait est que, si tu es aussi rapide au pistolet qu'aux cartes, j'ai intérêt à réfléchir 2 fois plutôt qu'une. Parce qu'un homme, dans ma situation, a toujours des tas de responsabilités. Par exemple, il doit penser à l'avenir de ses hommes. Hein, regarde-les. Hein, que deviendraient-ils, les pauvres diables, sans moi? Oh, bien sûr, si je meurs, ils auront ce que je possède parce que je suis très généreux envers mes hommes. Mais ce n'est qu'une des choses auxquelles je dois penser. Il y a aussi Paquita. Que deviendrait donc cette pauvre gamine si par hasard c'était moi qui étais tué? Que deviendrait-elle? Il faut penser aussi à l'enterrement. Car enfin, il faudra tout de même m'enterrer. Et moi, je veux avoir un grand, bel enterrement, toute la ville en pleurs, un orchestre qui suit le corps. Un sermon. Le grand jeu. Un enterrement comme ça, ça coûte une fortune. Et ce n'est pas moi qui pourrais payer. Ni mes hommes, ni Paquita, ni les gens de cette petite ville qui pourtant m'adorent, tu peux me croire, mais ils ne savent pas gagner de pareilles sommes. Ah, ils ne sont pas comme toi. Je crois que tu ferais un bon geste si tu voulais bien reposer là sur la table ce que tu viens d'empocher et qui m'appartenait avant la partie. Et puis j'espère que si par hasard tu me tuais, tu aurais à cœur de faire ce que j'ai demandé, n'est-ce pas, Kat? Hmm?
es un bon garçon. Un très bon garçon. Alors tu crois vraiment que tu auras ma peau, belle gueule? Bien que je ne sois pas exactement le genre de gars qui fasse des cadeaux. Je parie que vous ne croyez pas que c'était un de mes amis et vous pensiez qu'il n'aurait jamais de lui-même songé à me faire un bel enterrement. Eh bien, vous vous trompiez. Parce que c'est un ami. Dommage que je sois obligé de le tuer, mais comme mes amis sont sacrés, si c'est lui que vous voyez franchir cette porte, eh bien, laissez-le partir. Oui, vous allez tous quitter cette pièce, car personne ne doit voir ce duel entre deux frères et personne ne doit savoir non plus lequel est le vainqueur. C'est Bud qui sera chargé de veiller à ce que mes ordres soient exécutés. Une fois dehors, tu mettras le feu à la baraque. Le feu purifie tout. Et comme ça, personne ne verra le corps de Bill San Antonio ou celui de l'homme qui a osé le défier. Et à ce moment-là, cet argent servira pour son enterrement au lieu du mien. Allez vite, mes enfants, pressez-vous, tout le monde dehors, tout le monde dehors. Donne-lui une arme, Bud. Et maintenant, Bud, toi aussi tu sors. Et dès que tu es dehors, tu mets le feu à la baraque. Eh bien, tu vois, belle gueule, rien que toi et moi. J'ai toujours aimé les bonnes blagues. Et qui sait si celle-ci n'est pas la meilleure de toutes. Venez, vite! Tu ne tenteras pas de toute façon, belle gueule. Même si tu es plus rapide à tirer que moi, les hommes sauront te le faire payer. Et ils sont nombreux. Bon, eh bien, quand tu voudras. Au tir que moi, mes hommes sauront te le faire payer. Et ils sont nombreux, belle gueule.
toujours aimé les bonnes blagues. Qui sait si celle-ci n'est pas la meilleure de toutes? Passer ici dans la journée. Vous n'aurez pas de mal à le reconnaître, il aura une vingtaine de milles dans les jambes. Et il n'aime pas beaucoup la marche. Quand vous le verrez, donnez-lui ce cheval, c'est le sien. J'en ai pour 5 minutes. T'es arrivée, Kat. Tu devrais savoir que l'air est plutôt malsain pour toi par ici. Ce sera pour une autre fois, Kat. Je peux pas maintenant, on m'attend. Je veux pas te retarder. Je suis venu ici pour avoir des renseignements, Rose. Dire que j'ai été assez bête pour croire que tu étais venue pour moi. Je t'ai monté juste pour m'en mettre un peu de poudre. Alors voyons, en quoi je peux t'aider? Rose, je voudrais que tu essaies de me raconter ce que tu sais à propos de ce qui s'est passé cette nuit-là. Quelle nuit, Kat? Je t'en prie, Rose. Oh, ça fait une éternité. Dis-moi. Pour moi, c'est une éternité. Oh, je te blâme pas, Kat. Non, je t'en veux pas, ni à toi, ni aux autres. Mais à cause de vos sacrés règlements de compte, j'ai perdu mon homme. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est toi qui lui as réglé son compte. Hein? Qui c'était? Joe Tom-Tom. J'en savais rien. Et on s'entendait bien, lui et moi, tu sais, Kat. Et en plus, il était généreux. Je pense que ce sera difficile d'en retrouver un comme lui. En tout cas, moi, je n'ai fait que me défendre. Oui, je crois que c'est vrai, mais quand ils ont découvert que tu les avais eus, ils se sont tous mis à ta poursuite. Dis donc, tu roules sur l'or, maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, allons, tout le monde ici sait que pendant qu'on accompagnait Bill au cimetière, t'as filé avec le butin. Écoute, Rose, ton Tom-Tom, après tout, peut avoir gobé cette histoire. Mais toi, toi t'es trop maligne pour croire aux contes de fées. Mais qui ça pourrait être d'autre? Hein? Oui? Qu'est-ce que tu fiches, bon sang? Tu vas pas bientôt redescendre? Va attendre en bas, j'arrive tout de suite. Pourquoi t'as fermé la clé? Et je t'ai dit que je venais, alors fiche-moi la paix, veux-tu? Écoute, Rose, tu pourrais peut-être me laisser entrer? Non, j'ai le droit d'être tranquille une minute. Je suis avec toi. J'ai entendu parler. Oh, Kid, tu t'en étais peut-être pas rendu compte, mais depuis que je te connais, je parle souvent toute seule. Ouvre! Allez, ouvre, Rose! Ou j'enfonce la porte! Oh, tu vas voir, je te parie que je vais perdre celui-là aussi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, va au diable! J'espère au moins qu'il ne s'est pas fait trop mal. Oh, au fond, c'est pas un mauvais gars.
Oui, j'en ai l'impression. Bon, dis-moi ce que tu sais maintenant, mais fais vite. Je t'écoute. Mon temps est compté. Et le mien se paie d'habitude. Tout ce que Bill avait ordonné a été suivi à la lettre. Il a eu un bel enterrement. Des plus belles cérémonies que j'ai vues. Oui, je te jure, c'était vraiment un enterrement de première classe. Bill San Antonio, le meilleur tireur du monde. Dieu l'a tué par surprise, pas autrement. C'était une façon de dire, autrement il ne serait pas mort. Aussitôt après la cérémonie, les gars ont filé vers la réserve pour partager l'or provenant de dizaines de coups comme celui du train. Ils étaient aux anges, parce qu'ils avaient maintenant la part de Bill en plus. Tom Tom m'avait dit qu'avec ça, il serait assez riche pour enterrer le passé et commencer une nouvelle vie avec moi. Mais une drôle de surprise les attendait à la grotte. L'or avait disparu. Un seul homme a pu réussir ce coup-là, et je sais qui c'est. Le soir du duel, jamais on aurait dû le laisser partir. Mais je suis sûr qu'il n'est pas allé loin. À mon avis, il est resté pour observer ce qu'on faisait. Et quand on est parti pour enterrer Bill, il a eu le temps de venir jusqu'ici et de filer avec l'or. Mais le salaud, je vous jure qu'il n'en profitera pas longtemps. Bill disait que sa mort serait la fin de la bande. Mais jamais il aurait imaginé que ce bâtard nous roulerait. Étant donné que tout le monde était à l'enterrement de Bill, il n'a pas eu de mal à convaincre les autres. Et ils se sont lancés à ta poursuite à travers le pays. Un mois plus tard, Tom Tom est revenu et m'a dit que Bud avait disparu la première nuit. Bud, mais c'est lui qui racontait que j'avais pris l'or. Les autres ont continué à te chercher. Mais ils travaillaient chacun pour soi. Ils s'étaient dit que c'était idiot de rester associé, de n'avoir qu'une petite part. Chacun comptait mettre la main sur l'or. J'ai supplié Tom Tom de laisser tomber. Mais il n'a rien voulu savoir. Il est resté une nuit. Et en partant, il m'a promis qu'il reviendrait. Maintenant, c'est toi qui es là au lieu de lui. C'était un beau gars, Tom Tom. Et avec ça, très généreux. C'est Bud aussi qui m'a donné le pistolet. Donne-lui une arme, Bud. Bon, il faut que je te quitte. S'ils sont partis, tu penses, j'ai eu pour ainsi dire plus rien à faire. Les choses sont normales, plus une mort violente à présent. Sauf quelques vieux qui s'éteignent de temps en temps.
Alors, pour gagner ma vie, il faut que je fasse autre chose. Et moi, le travail de précision a toujours été mon passe-temps favori. Si tu permets, je continue ce que je faisais. Écoute, grand-père. Oui. C'est toi qui as fabriqué le cercueil de Bill San Antonio. Et qui veux-tu que ce soit, mon garçon? C'est toi qui as mis son corps dedans? Oui, c'est moi, bien sûr. D'ailleurs, en fait, il ne restait pas grand-chose de lui, si tu veux la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire, grand-père? Je veux dire que c'était pas beau à voir. On aurait dit qu'il était déjà allé à sa destination naturelle. Et en enfer, et qu'il en était revenu. Si on te demandait aujourd'hui de jurer que c'était bien le cadavre de Bill San Antonio que tu as enfermé dans la bière, tu ne pourrais pas avouer. Mais c'est pourtant bien toi qui l'as abattu, non? Je t'ai posé une question. Et je t'ai donné la réponse, je crois. Comment veux-tu que je l'ai reconnu dans ces quelques restes calcinés? Alors, si j'ai bien compris, tu as fait des milles pour venir jouer aux devinettes, hein, Kat? Tu t'étais amené en me disant, je te donne ma parole d'honneur que je n'ai jamais effleuré Bill San Antonio. J'aurais répondu sans hésiter. Eh bien, mon garçon, vois-tu, j'étais persuadé que ce vieux renard n'était pas plus mort que moi, je m'en doutais. Je ne suis pas de ceux qui croient aux fantômes. Pour moi, ce sont des histoires. Et il y a par ici des gens qui sont prêts à jurer sur une pile de Bible qu'ils l'ont vu sur son cheval noir, en train de galoper dans la nuit. Ah, tu vas me dire sans doute, Bill San Antonio était quelqu'un de trop célèbre pour que les gens ne parlent pas de lui. Je suis d'accord. Seulement, à mon avis, il y a une différence énorme entre parler de lui et en faire une légende. Oh, bien sûr, tu peux dire non. Les gens ont besoin de créer des légendes. S'il n'y en avait pas, qu'est-ce que feraient les parents quand leurs enfants réclament une histoire le soir au coin du feu durant les longs mois d'hiver? Merci pour le tequila, grand-père. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Kat, rappelle-toi une chose. Si je ne savais pas que c'est toi qui l'as vraiment tué, mon garçon, je serais prêt à jurer que Bill San Antonio est toujours vivant. Je jure devant Dieu, grand-père, qu'il va regretter de ne pas avoir été tué le soir du duel. Tu n'aurais pas dû t'arrêter de travailler. La curiosité est un vilain défaut. Désolé pour toi. Dommage. Donne-moi à boire. Écoutez, les gars, j'ai tenu à venir vous annoncer moi-même une nouvelle intéressante.
vous en foutez, hein? Là, c'est mieux. Ça commence à vous intéresser. Dans quelques minutes, vous allez avoir une visite, mais ce sera une visite de marque. Il s'agit du nouveau représentant de la justice que vous attendiez, et vous allez le recevoir avec tous les honneurs. Tout le monde debout, tas de pouilleux! Allez, ne faisons pas attendre notre distingué visiteur. Il pourrait attraper froid. Amène-le. Bravo, amigo. Bravo. Te están esperando. Maintenant, on va faire des présentations. Allez, c'est normal. Si le nouveau juge doit protéger vos intérêts, il faut qu'il fasse votre connaissance un par un. Toi, viens ici. Le nouveau juge veut savoir qui tu es. Il a parlé, oui. José. À lui, et plus fort. José. José, comment? Hernández. Ce nom vous dit quelque chose, monsieur? Hein? Comment? Ce serait José qui aurait demandé qu'on envoie un homme de loi? Oh, c'est drôle, mais j'ai du mal à croire que notre ami José ait pu faire une chose aussi vilaine que de mettre la justice à notre housse. Ce sont de braves gens. Et ils ne recommenceront plus. Alors, dis-lui toi-même que tu ne recommenceras jamais. Alors, vous avez entendu, chef? Il a dit qu'il ne recommencerait jamais, jamais plus. Assez! Assez, vous n'avez pas droit! C'est vraiment une chance qu'on soit là, nous autres, pour leur faire respecter la loi. José, tu devrais offrir un verre à ton visiteur. Les hommes de loi, en général, supportent mal la vue du sang. C'est bien connu. Allez, apporte vite à ce pauvre juge quelque chose à boire. Señor Hernández. Señor Hernández. Va. Vas-y.
Le nouveau juge, Bill, ne nous causera pas d'ennui. On a fait ce qu'il faut. L'as-tu trouvé? À quelques miles du village. Il était en route pour y aller. Et personne ne t'a vu? Non. Non, personne. Mais Bud a eu une bonne idée, tu sais. Ah oui, laquelle? Oh, rien. Petite blague, quoi. Raconte que je rigole aussi. C'était drôle, quoi. On a bien le droit de rigoler, non? Tu sais, Bud, je n'aime pas les blagues quand c'est pas moi qui les fais. Je te l'avais pourtant précisé. Liquider le nouvel arrivant et rien d'autre. Pas question d'aller jusqu'au village. Je vous ai averti tout de suite si quelqu'un s'approche. Et j'ajoute que personne n'a le droit de me fausser compagnie comme l'un de vous l'a fait dernièrement. Voyez-vous, c'est un brave gars, notre Bud. Mais l'ennui, c'est qu'il perd la mémoire. Peut-être que ceci va l'aider à la retrouver. Tu sais, Bud, il y a un tas de choses que je peux t'apprendre. Mais il y en a une que je ne pourrai jamais te donner malgré ma bonne volonté. C'est ça. Tu es un imbécile, Bud. Il faut que tu te mettes ça dans le crâne. Imbécile! 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 Commences-tu à savoir ta leçon ou je dois continuer? Imbécile! Imbécile! Une chambre. Qu'est-ce que j'ai qui te déplaît? Mais rien, rien. J'ai pas vu un lit depuis 48 heures. J'ai besoin surtout de faire un grand somme avant de partir demain. Alors, la première porte à droite. Et je veux pas qu'on me dérange, compris? Pour ça, vous êtes bien tombé. Yeah.
Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que c'était? Un chat. Visite. Tu connais Steve Jésus? Non. Et toi, Miguel? Ben, t'as qu'à lui demander. Je serais curieux de savoir comment t'es là, toi. À ma connaissance, il n'y a qu'une entrée. Détache-moi. Non, mais tu l'entends, Miguel? Il veut que je le détache. Allez, assez rigolé, réponds. Dis-moi ton nom et pourquoi tu te trouves là. Faites-moi descendre. Je parlerai uniquement à Bill San Antonio. T'es pas un peu sur le mur. Qui tu veux voir, tu dis? San Antonio. Et tu veux pas voir le Père éternel, des fois? Est-ce que vous allez me décrocher? J'ai besoin de parler à votre chef, peu importe comment il se fait appeler. Je regrette, vieux. Tu discutes avec nous ou avec personne? Le chef est sorti. Il a un autre genre de spectacle à regarder. Tu vas le payer, salaud. Yeah.
marteler le bien. C'est drôle comme on se retrouve. Détache-moi de là. Ça, ça vaut bien un remerciement. J'avais raison. Frotte tes pattes de là. Les autres peuvent revenir d'une minute à l'autre. Ah, laisse tomber, Bud. J'ai soif. Jamais sortir ce sacré coffre de là-dedans. Ouais, t'as raison, on n'y arrivera jamais à deux. J'ai un tuyau intéressant. S'il n'a pas un nouveau client. Pourquoi tu nous as pas dit que ce soir on avait de la compagnie? Vous ne l'avez pas demandé, Seigneur Bud. Eh ben voilà, je te le demande maintenant, Yura. Qui c'est? Je sais pas, un étranger, il s'en va demain. Et où tu l'as mis? Au premier, il voulait dormir. Allez, dépêche-toi. Là, c'est lourd. Allez, maintenant, mets-toi dessous. Qu'est-ce que t'attends? Coupe la corde. Mes bottes. Jamais j'y arriverai. Il le faudra bien si tu veux pas être écrabouillé là-dessous. Hey, attends. Où vas-tu? Il a le sommeil lourd comme un homme qui est fatigué. Comment ça, le sommeil lourd? J'ai cogné, il n'entend rien. Amigo, pourquoi ne veux-tu pas te lever? On ferait un petit poker.
Suivez-moi, vite. Tu ne perds rien pour attendre. À cheval, les gars. Aide-moi à poser ça. Non, il faut continuer. Descends ce coffre, descends ce coffre. Au fond, je serais peut-être mieux de te laisser ici t'aplatir sous cette caisse d'or. Bill rira bien, il se tord quand il te découvrira plat comme une galette sous son or. Clatons de ce coffre, allez, discute pas, aide-moi. Écoute, imbécile. Il dit partout que tu n'as que des muscles et pas de cervelle. Ben, il a pas tort. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'as de courage qu'en parole. T'arrêter là. Oh, cette pauvre mule ne pourra jamais faire le chemin de là-bas jusqu'ici. Mais la caisse y arrivera. Comment la caisse y arrivera? Ah non, non! Oh si. Faut les rattraper. Si c'était du whisky, elle s'arrêterait pas. Avance! Avance! Le seul moyen d'éviter d'être entraîné par le courant, c'est de plonger. Si tu me laisses là-dessus, je te descends. Ah ah, j'oubliais que tu savais pas nager. Il y a des remous, attention. Ah, si je te disais que cette eau est chaude, je mentirais. Allez, on plonge, il n'y a pas de temps à perdre. Tu t'accrocheras à moi. Eh, hey, commandant, quand tu m'as fait transporter la caisse, tu as dit que j'étais quoi déjà? J'ai oublié. Ah, ça me revient maintenant. Je me rappelle ce que tu as dit. Un lâche qui n'a de courage qu'en parole. Allez, viens, il est temps de plonger. Tant pis, j'y vais. Hé, attends. Halte. En avant. Thank you.
T'as eu une bonne idée? Enterrer la caisse. Elle sera plus en sécurité là-bas, sur la colline, que dans une banque. Alors qu'on sera parti. Parce que nous partons. Oui, il faut aller prévenir la compagnie d'assurance. T'as pas l'intention de passer toute ta vie ici, je suppose. Ton ami San Antonio me doit toujours 10 000 dollars de notre dernier poker. Non, non, tu vas venir avec moi. Ce n'est pas parce que tu m'as sorti de cette piscine que tu as le droit de décider de ce que je dois faire ou non. Et de disposer de moi à ton gré. Parce que je peux être bête, bon sang, j'aurais mieux fait de te laisser patauger tout seul dans l'eau de cette piscine, comme tu dis. Tu serais pas allé bien loin. Réfléchis, quand nous aurons prévenu la compagnie d'assurance, on te versera un bon pourcentage de la somme volée qui couvrira largement tes pertes. Il n'y a pas de rapport. Et puis, qui te dit que je suis de ceux qui acceptent des primes, hein? Pour être exact, c'est toi qui dois veiller sur les intérêts de la compagnie, pas moi. Ah, c'est comme ça que tu prends les choses. Alors, je vais faire ce qu'il faut pour être sûr que tu ne me fausseras pas compagnie. À nous deux. Tu oublies qu'un coup de feu, ça s'entend de loin, Earp. Et vois-tu, je crois pas que ce soit le moment ni l'endroit de prendre des risques de ce genre, vieille noix. Je connais un autre moyen pour te faire céder. Il y a une chose que je comprends pas. Quoi? Quoi? C'est pourquoi tu tiens absolument à ce que je démolisse ta bonne bouille de pleine lune. Viens là, viens bon sang. Voilà. Servez-vous. Qui aurait jamais pensé qu'un jour on se retrouverait tous les trois après tant d'années? Oui, qui aurait pensé? Et on suit sa route, on fait confiance à ses amis. On vit tranquillement. On s'occupe de ses affaires. Puis il s'amène. Descendent trois de vos gars. Vole. Et quand ils ont fini ce joli travail, alors ils filent, sans même vous dire au revoir. Alors, revenant. Comment te fais-tu appeler maintenant? Parce que la vie serait formidable si tout le monde ne s'occupait que de ses affaires personnelles. Ce n'est pas ce que tu disais quand t'as lancé tes hommes à Métrousse il y a un an. Que d'histoire, pour une poignée de pièces d'or. T'es modeste. T'as toujours l'espoir de m'abattre, j'imagine.
Tu sais pourtant, Kat, que ce soir-là, je t'aurais étendu raide comme un cierge, si j'avais voulu. Oui, mais c'était pas ton intérêt. À ce moment-là, il te fallait un bon pigeon pour que tes gars se lancent après et te fichent la paix à toi. Je suis assez fier de cette idée. Avec ce plan, je me débarrassais du même coup de cette nuée de bons à rien de shérif qui commençait tous à m'agacer. Et des gars inutiles, des idiots, qui m'embarrassaient. Parce que c'est pratique de se laisser vivre incognito. Mais dis-moi, qui a pu vous raconter que j'étais planqué quelque part dans le coin? Les voyageurs du train n'avaient pas tous été tués. Tu vois comment on se trompe. Un homme a eu assez de force pour arriver jusqu'à moi et m'annoncer que tu étais bien vivant et toujours aussi actif. Eh bien, ce qui montre qu'on doit toujours faire son travail soi-même, on ne peut compter sur personne, pas vrai, Bud? Il faudra que je me rappelle ça pour plus tard. Mais il n'y aura pas de plus tard pour toi cette fois. Ça, c'est de l'ingratitude où je ne m'y connais pas. On a décidément tort d'être bon. On les sauve au moment où ils vont se faire saigner comme des cochons et voilà ce qui se passe. Ils ne veulent pas dire où ils ont mis ma caisse d'or parce que vous l'avez planquée. Il y a un imbécile comme Bud qui pourrait croire qu'elle est tombée dans le fleuve. Il suffit de vous regarder pour le comprendre. Je suis curieux de savoir lequel des deux a le cuir le plus coriace. Plus costaud peut-être, mais quelquefois c'est le contraire. Qu'en penses-tu, toi, Bud? Ah, c'est vrai, Bud ne doit rien penser, je le lui interdis, autrement vous seriez déjà morts tous les deux. En attendant, qui peut nous dire ce qu'on veut savoir, sinon eux? Pas vrai? Ah, tu crois qu'ils ne vont pas parler? Eh bien là, tu te trompes. Seulement le tout, c'est de savoir lequel. Le petit gabarit, tu crois? Eh bien, c'est une grosse erreur. Parce que si tu prends deux hommes ou deux animaux pour éprouver leur force de résistance, jamais, jamais tu ne les verras mourir au même moment. Et je vous connais depuis longtemps. On peut même dire depuis toujours. Et je connais exactement les défauts de vos cuirasses. Alors, Bud et Tago et moi, on a préparé avec soin un petit divertissement pour vous. Lève ton bras si tu es prêt à me dire où est l'or. Tu m'entends, belle gueule? Plonge-le. Tago,
Personne ne doit passer cette porte, c'est clair? Ni Bud, ni Pedrito. On ne doit venir te parler sous aucun prétexte jusqu'à mon retour. Descends ceux qui voudraient désobéir, c'est compris? Je pense que ça prendra peut-être un bon moment avant qu'il ne se décide à parler. Mais nous ne sommes pas pressés, alors tu as tout ton temps. Maintenant, ferme cette porte de l'intérieur. Ne faites pas ces gueules-là, vous autres. On va récupérer l'or. Bud et Coco connaissent leur boulot. Alors ne les dérangez pas, mais surtout ne les perdez pas de vue. Vous deux, vous surveillez Bud qui est au puits depuis le balcon. Allez. Et si vous le voyez s'éloigner du puits, vous lui tirez dans les jambes. Dans les jambes, j'ai dit. Les morts ont la mauvaise habitude de perdre l'usage de la parole. Pedrito et ses hommes iront monter la garde devant la cave à tour de rôle et je ne veux pas que Tago en sorte. Pourquoi tu ne nous laisses pas nous occuper des deux gringos? Obéis aux ordres. Vamos. Viens, bébé. Viens faire joujou dans l'eau. Écoute, ne dis rien aux autres et je t'y conduirai, Bud. Tu n'aurais besoin de partager avec personne. Bud, tu devrais y réfléchir. Allez, relève-toi. Et si le coffre est enfoui là, Bud? T'énerve pas, vieux. Rappelle-toi qu'un homme qui veut trop se presser peut commettre des erreurs graves. C'est pas moi qui prétendrai le contraire. On le dirait pas. Regarde où est ta main. C'est mieux. Détache-moi. Vamos, dépêche-toi.
Ça doit être par ici. Alors creuse maintenant. Non, non, ne compte pas sur moi pour ça. Tu vas creuser ou tu es mort. J'aimerais savoir quelque chose. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es un imbécile, Bud? Dis-moi où il est. Où il est? Arrête. C'est passé quand? Il devait être des mèches avec eux. Autrement, jamais il aurait pu filer. Non, non, c'est faux! Quand? Je m'en suis aperçu il y a peut-être une heure. C'était le tour de face de Rad d'être à la fenêtre. Je me suis réveillé, je l'ai cherché, mais il n'était plus à son poste. Alors je l'ai trouvé contre le mur, la gorge tranchée. Alors c'est comme ça que tu obéis? Oh, mais je n'ai pas dormi plus de 2-3 minutes. Je me suis allongé puisque c'était lui qui était de garde. Pourquoi tu ne les as pas suivis? Les chevaux, chef. Quoi? Tout ce qu'on a retrouvé, c'est les selles. Je vous dis qu'ils étaient des mèches, c'est sûr. C'est impossible que ce fils de chienne, il n'ait rien entendu quand les bêtes galopaient. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Les chevaux? Ah, ils n'ont pas oublié d'envelopper les sabots des chevaux avant de les chasser. Ça, c'est du travail soigné qui prend du temps. Alors, tu n'as dormi que 2-3 minutes. Mais... oui. Oui. Venez, vous autres. Et nous, chef, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Essayez de ne pas vous endormir. Ah! Il se pourrait bien que tu sois exactement l'homme dont j'ai besoin. Moi? Pourquoi faire? Crois-tu que tu peux te rappeler quelques mots dans l'ordre où je l'ai dit? Oui, je crois. Tant mieux pour toi. Alors saute sur le cheval que tu verras dehors et dis au chef du gang qu'il est temps maintenant de continuer le poker qu'on a commencé il y a un an. Oui, oui, oui. Sais-tu au moins de qui je veux parler? Oui, je crois. Oui. Tant mieux pour toi. Dis donc, puisque tu dis avoir tellement de mémoire... Oui. Tu pourrais me rendre un autre petit service. Oui. Dis-lui aussi que je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Oui. Dire deux mots à ce gringo. Ouvre cette porte. L'autre, il a filé. Il est parti avec Bob. Je veux m'occuper de celui-là. Laisse-le moi. Je t'ai dit d'ouvrir cette porte. T'es cinglé, dit Dontago. Je te répète, laisse-moi le gringo, maudit chien. Thank you.
Non, laissez-moi continuer. On m'a envoyé donner un message à Monsieur Budd. T'inquiète pas, tu peux aussi bien nous le dire. Dis donc, vieux. Est-ce que tu as eu ce cheval? Écoutez, laissez-moi continuer, je dois voir Monsieur Budd tout de suite. Il me paiera une bouteille entière avec la nouvelle que je lui apporte. Je suis bien content de vous avoir trouvé ici. Maintenant, vous pourriez peut-être me conduire jusqu'à lui, monsieur. Où est-ce que tu as eu ce cheval? Un homme m'a dit de le prendre. Un étranger, mais assez grand. Où est-il? Il est au saloon, je crois, monsieur. Il doit attendre. En tout cas, il a dit... Il a dit... Ah! Je t'ai dit. Il faut qu'il soit en état de parler. Tu m'entends? On demande pour moi. Toi-même, tu es libre si ça t'amuse. Tu me connais, je n'aime pas jouer sans enjeu et tu sais que dans toute partie de poker qui se respecte, on les étale d'abord sur la table. D'accord. Et allons-y. Tu es si pressé que ça? On a le temps, non? Je voudrais te faire une proposition d'abord. Comprends-tu, il y a un an, j'ai été forcé de monter cette comédie parce qu'on s'occupait trop de moi. Tout le monde ne pensait qu'à encaisser la prime qui était suspendue au-dessus de ma tête et qui augmentait trop, à mon gré. Je ne pouvais plus avoir confiance en personne, même pas en mes gars. Je n'avais pas le choix, ça je te le jure. C'est sur toi que tout ça est retombé, je le sais. Et je m'en excuse. Je suis revenu pour payer les dommages. Ce n'est pas tout à fait ce que tu me disais hier. Oui, mais c'était hier. Et crois-moi, en affaire, ce qui compte, c'est d'être le plus fort. Hier, c'était moi et je t'assure que je le serais encore si je n'avais pas été obligé de partir. Mais j'avais rendez-vous avec quelqu'un qu'on ne peut pas faire attendre. Et je n'ai pas eu tort, parce que je suis sur une affaire bien plus importante que le malheureux os qu'on se dispute maintenant. Voilà ma proposition. Très simple. Tu vas voir. Si tu veux, on fait le coup tous les deux. Rien que nous deux. Toi et moi, comme dans le temps. Et tu oublies notre ami? Laisse-moi t'expliquer de quoi il s'agit. Notre vieil ami. Je ne crois pas qu'on soit prêt de le revoir. Il est en bonne main. Qu'est-ce que tu... Tirez là. Hé, toi. Un petit détail qui semble t'échapper dans tout ça, revenant. C'est moi qui donne les cartes cette fois. Nous avons là-dessus des points de vue différents. Je ne me serais pas donné tant de mal et fait tout ce chemin pour m'associer avec un type dans ton genre. Avant de continuer, écoute-moi. T'as-tu déjà posé la question de savoir d'où vient ce que les pauvres idiots appellent ma chance? Y as-tu jamais pensé?
Est-ce que tu ne t'es pas demandé pourquoi j'ai réussi pendant tant d'années les plus gros coups sans jamais me faire pincer? Tu veux le savoir? Eh bien, le président de la Banque del Paso assure l'or qu'il expédie des sommes importantes, bien sûr. Et il me dit non seulement le jour, ainsi que l'heure précise du départ du train, encore il me donne toutes les mesures de sécurité que la compagnie d'assurance a prises. Quant au reste, c'est mon affaire. Après, on partage les bénéfices, moitié pour lui, autant pour moi. Il n'y a pas de risque pour moi. Et il n'y a pas de risque pour lui. Un grand brasseur d'affaires. D'ailleurs, c'est lui qui m'a conseillé de disparaître il y a un an. Écoute-moi bien. Tu es le premier à qui j'ai confié le secret de mes succès, belle gueule. Et sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais que je peux avoir confiance en toi. Tu te trompes, revenant. Je te l'ai déjà dit, nous avons deux points de vue différents. Il n'y a qu'un seul point sur lequel je suis d'accord avec toi. Jouer avec les enjeux sur la table. Sais-tu à quoi je pense en te regardant en revenant? Je crois que je vais t'offrir la mise en scène soignée que tu m'as offerte il y a un an. Ça me paraît difficile, tu sais, de mettre le feu au rocher qui nous entoure, belle gueule. Pas le feu. La dynamite. Juste la quantité qu'il faut pour que tu t'envoles haut et loin. Et pas question de tricher cette fois. Tous les deux. Tu ne veux pas jouer avec nous cette dernière partie? Excuse-moi, mais j'ai pas l'habitude de jouer à quoi que ce soit avec des canailles. Tu as peut-être tort sur ce point. Ça réserve des surprises quelquefois. Explique-toi un peu, je comprends pas. La caisse, tu le vois, est là où on l'avait enfouie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle contient encore quelque chose. Ouvre-la. Si tu ne me crois pas. Alors, c'était du bluff, ton histoire. Ah, je ne te reconnais plus, toi qui adorais la plaisanterie. Écartez-vous, ça suffit comme ça. Thank you.
dernier sale tour que tu joueras, revenant. Allez, revenant, debout. Ce n'est pas une patte esquintée, je suppose, qui peut empêcher un homme comme toi de tirer. Et maintenant, on va voir qui est le plus rapide de nous deux. Maintenant, rampe, si tu tiens ta peau. Diable, as-tu besoin de peser aussi lourd? Je viens de faire un drôle de rêve. J'ai rêvé qu'une montagne sautait et que les blocs retombaient sur moi. Oh, j'ai mal à l'épaule. T'as pris la direction du nord? Ouais, du nord, pour qu'on te retire tout de suite ce bout de plomb. T'es assez lourd comme ça, espèce de vieille noix. Qu'est-ce que tu comptes faire des sacs? On en discutera quand tu seras assez fort pour tenir une arme. Yeah!